Akşam. I think we have the movie first, no? Ilaria. Good morning. No, we have only your. It's me starting? Yes, exactly. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de retourner avec les amis tunisiennes pour ce webinar qui finalement va reprendre notre contact au niveau énergie et surtout contact avec notre collègue de la Fondation, qui sont la plupart des secteurs privés, qui ont beaucoup d'envie de venir investir en Tunisie avec vous, avec votre banque, avec votre compagnie. Mais donc aujourd'hui, on va reprendre un dialogue qui a commencé en 2012, entre, à l'époque, s'appelait Res4Med, qui était un peu la réponse du sud d'Europe à Desertec, le célèbre paradigme allemand. Et donc aujourd'hui, on est ici avec le rôle de la Fondation Res4Africa, parce que maintenant, nous sommes plus ouverts à tous les continents. Donc, I will speak in English now, because my French exotique, je sais qu'il est aimable, mais la présentation est en anglais. Donc, thank you so much for being here. I am Roberto Bigotti, Secretary General of the Res4Africa Foundation, and we are really pleased to be back to talk to our colleague in Tunisia to make sure that we collaborate in deploying as much as a clean energy and a transition also for the country. Next slide shows that this only one slide to tell you about the continent. Why Res4Africa now is heavily working on the African continent, and of course, starting from the South Mediterranean. On the right, you see the four reasons why Africa and Tunisia as well needs and will should welcome a fast deployment of renewable economic growth, particularly a strong urbanization process that we have to deal with, not so much in Tunisia, but in some capital, Dar es Salaam, Johannesburg, there are millions of people in the peri-urban areas who are not getting energy. Most important for me is the rising young population. Africa average here is at 19 years old over the continent. We are 41. I'm adding more statistic on the age, but I think the innovation and the leapfrog for Africa can, in Tunisia can be done next to this rising population. And of course, demand for not only for residential, but for industry. Now, on the bottom, you see the three issues which we have to deal. We need a sustainable, bankable project from development to action. We need also a very important the enabling policy and regulatory frameworks to allow international investors to come and co-invest in Tunisia with the Tunisian investors and Tunisian banks. And we need, of course, this financing support, which is still very critical in many countries. And also, as I spoke before with Mr. Bourtada, sometimes we have the perception that the financial system in Tunisia is not yet at the same level as the international financial system, but we will discuss later. Now, on the left, a dramatic picture looks like a painting. But actually, in the last 10 years, there was a lot of capacity renewable installed in the world. But you know, Africa, the whole continent, Africa, which has geothermal, solar, wind, only 2%. Why is that? And there are many reasons we in Africa, the Foundation, are discussing, and we are now in dialogue with a single country like today. So this is a big motivation for us, because all the projections say that Africa needs energy, and the last 10 years, unfortunately, are very deceiving, because 2%, while China, while India, while other countries. The dramatic number is, you know, in the south of your continent. In sub-Saharan Africa, of course, we know there are 600 million people still there who don't have access to electricity. But the dramatic things that you have to consider now, because of the post-COVID, more than 30 million people who have, in theory, access to energy, electricity, cannot afford it because it's too expensive for their income. So it's becoming 630 million, even people who have the connection don't use it. So we need really to make not only a transition, but a transformation of the energy sector. That's why we are here with you in Tunisia. Next slide.
I go very quickly in the next slide because I'm now the mission is to create an environment enabling for investment and contribute also to a prosperous Africa and a prosperous Tunisia. And also we have a network in membership from all the value chain we have, we see in a moment, and also an international partnership with your national stakeholder, but also international one. Next one. The way we have work as a foundation, we try to identify the priorities and we to identify what are the needs that we listen to you. And in fact, today in Tunisia and in the next coming months, we will address all the topics that you really want to address with us on a single country. And also we have this idea of the being a neutral platform for information for public and private sector and also on market. And today is an example of how we act. Next one, I want to go quickly. These are my partner, my member. You see there are manufacturer, consultant, banks, Terna, the famous Terna, which still hopes to connect Italy and Tunisia, finally, Enel Green Power, Chasey. We see AFRI, today is our host in presenting the study. And we also a bunch of European network in ENGIE, EDP from Portugal, Acciona, Schneider Electric, and so on. So the idea is that all together, we cover the entire value chain of the renewable deployment. And of course, partnering with the African and country selected partner. Next slide. In the next slide, you see just an example of the track record we have been doing in the country, in the Southern Mediterranean, mostly Morocco, Algeria, Tunisia, Jordan, Egypt, and also a few countries in the South. We have started collaboration in Zambia, South Africa, Kenya, Ethiopia. And this is moving faster and faster. And we also have a lot of cross-cutting connection. Next slide. Allow me to say that we, in our foundation, we produce every year, this is the result of 2 years only, analysis, recommendation, booklets, and our policy, you can download them, all the one in green, by the way, are Mediterranean. You can download them from our website, of course, free of charge, but also you don't need to register. Sometimes you have to register. We don't want to know. The more people download our publication, the more it is good for everybody. So I think this is our policy, to allow people to share, and also the study of today will be available soon on the website to be downloaded. Next one. Today, we are very, very proud to present to you the studies we have been doing in the past, and you know, they are constantly updated by Ilaria and his team. And mostly we talk about how to increase the, not only the development, but also the benefit analysis, because we think that also a misconception today, very frequent in Africa, but also not only in Africa, is that renewable are cheap, renewable indeed are also easy to build, renewable perform. But unfortunately now, and renewable can be balanced in the grid thanks to the new device for flexibility. Now the name of the game to oppose renewable is job creation. There are some, even in Tunisia, I know, there are some concern. Think about when I go to South Africa. They say, Mr. Bigotti, you want to reduce the coal influence in the country? We have 240,000 people working directly in the coal industry. How can we promise to them that we are going to find new jobs? That's something we are doing very, very deeply with the local stakeholders. So I think we have to show also that job creation and social impact, particularly on the post-COVID, it's to be done together. So it's a transition, actually a transformation. And finally, the last one, I think, slide, shows the next one, shows the program that Ilaria, you see on the screen, Ilaria is a brave coordinator of these programs. We have a regional program in the MENA region, the survey on the risk investment, which we will show you in one of our next webinar. We have a platform and we are going to do a study of why we call connecting the dots, actually means why only 2% also the Mediterranean? Because actually the Mediterranean and South Africa are going, but much more can be done. I think we will address with you, with your insight, this issue.
And then we have action in Morocco, in Algeria, in Egypt, and in Tunisia. Of course, today we are doing the enabling the development of decentralized routes, because I think that's also interesting for private sector, not only to have a large scale and transmission system, but also decentralized way of producing or introducing renewable solution. And then we will do the revision of the country profile. But we are open, and Ilaria is open to listen. Just an example, we spoke with the Morocco just recently, and the Morocco Director General of Morocco asked us 12 topics, from e-mobility to green hydrogen through cross-border and so on. So I think once we start collaboration, Ilaria will provide you insight of what we can provide you directly, and directly we can organize a single webinar on single topics that may be of interest, because we have this range of membership and also additional one to support you with our proposal. Of course, we don't want to impose, we just propose to you to consider what's happening around the world and not only Europe. So this is the program of Mediterranean. I'm sure that after this meeting, Ilaria, we will enrich also the Tunisia file. Next one, I think, is the only thank you. I am here to listen to you, and it's a vraiment grand plaisir de commencer à travailler avec vous, juste en face de nous. Et j'espère que dans les prochains mois, même si on attend encore l'été pour venir chez vous, on va établir des contacts fructueux avec les collègues. Merci beaucoup. Et maintenant, je dois passer la parole au docteur Adel Murtada. Il est un ingénieur avec deux PhD in energetic energy conversation, and he's also well known in the Mediterranean. May you have such a long CV that I think people will see that we appreciate your intervention. So thank you, Adel, for coordinating, but also for commenting and giving input to the other, and also suggesting me and Ilaria next steps. Thank you so much. It's a pleasure. Merci Roberto, merci pour cette introduction très intéressante. Thanks for this very interesting introduction about RESFORMED activities, and also for sharing with all very important technical guide publication and the study about Tunisia. Dear colleague, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank RESFORMED for inviting me to moderate this important webinar on how to unleash the full potential of Tunisian renewable energy market. Excuse me, I can't. I want to put off my camera to improve the connection. Okay, we will go to have one presentation session followed by a question and answer session. Our presenters are kindly accepted to share with us their experience and they provide useful information for investing in renewable energy, giving a view of the context, regulatory schemes applicable to projects, as well as Tunisia could attract international financiers and equity investors that could help it to meet its ambitious renewable energy target. In its national determined contribution, Tunisia proposed to reduce its greenhouse gas emission in all sectors, to lower its carbon intensity by 41% in 2030 compared to the base year of 2010. The energy sector alone accounts for 75% of emission reduction, and the energy sector is expected to reduce its carbon intensity by 46% in 2030 as part of the energy transition policy of the government. To achieve its objective, Tunisia is aiming to attract international developers to exploit its potential resources through renewable energy projects. Today, the major challenge is to change scale so that the local financial sector, supported by international financial institutions, can respond effectively, quickly, and sustainably for financing need and activity contribute to the low carbon transition of the Tunisian economy. Before that, I propose to go to our first presenter. I would like to remind you to prepare your question. And if you have a question for a specific panelist, please mention it. Je voudrais maintenant aller vers notre premier présentateur,
Monsieur Chiboub, qui va nous faire une présentation intitulée Overview about current electricity market, the current status of renewable energy market in Tunisia and governmental plans update. Monsieur Chiboub, il est directeur général de l'électricité et de l'énergie renouvelable au ministère de l'Industrie et de l'Énergie des Mines. Aussi, il est directeur, il est chef de programme énergie et il était directeur général du bureau d'études et de recherche ELMED pendant plusieurs années et directeur de la production privée de l'électricité avant au ministère de l'Industrie et de l'Énergie et chef de division programme d'équipement à la direction d'études et planification à la Société tunisienne de l'électricité et le gaz, STEG. Aussi, il est membre du conseil d'administration du RECRE, c'est le Centre régional des énergies renouvelables et des efficacités énergétiques. Et d'après de nombreux témoignages, M. Chiboub a été instrumental dans l'accélération du plan de transition énergétique de la Tunisie vers les énergies renouvelables. M. Chiboub, à vous la parole. Merci pour cette présentation. Bon, ce n'est pas moi qui ai été l'instrumental, c'est technique, on va dire. C'est une obligation pour la Tunisie, comme vous l'avez dit. Et on va le voir tout à l'heure. Je voudrais remercier RS for Africa pour l'organisation de ce webinaire. Et on va commencer directement la présentation, si vous permettez le slide suivant. Alors, il faut savoir que la situation énergétique de la Tunisie a été marquée par un déficit, une augmentation du déficit en énergie primaire durant la dernière décade. On est parti avec une couverture aux alentours de 83% à 93% de nos besoins en énergie primaire. Et aujourd'hui, on est à une couverture à peu près de 41% de notre énergie primaire. Donc aujourd'hui, on a un déficit qui avoisine les 60%. Ceci se traduit aussi bien au niveau du gaz qu'au niveau des produits pétroliers. Et là, ce déficit-là, il a impacté énormément la balance commerciale de la Tunisie au niveau énergétique. Si vous permettez le slide suivant. Alors, face à cette situation, il faut savoir également que la Tunisie regorge avec le potentiel d'énergie renouvelable pour le photovoltaïque. On ne va pas compter, c'est à peu près 280 gigawatts. Mais également pour l'éolien, nous avons à peu près 10 gigawatts possibles comme potentiel éolien. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, ceci a nécessité, cette augmentation du déficit a nécessité une nouvelle vision ou un nouveau mode d'approche pour la stratégie énergétique. Et nous avons établi en 2013-2014 une stratégie énergétique. Slide suivant, s'il vous plaît. Basé sur quatre axes. Alors, les quatre axes de la stratégie énergétique sont le développement des ressources nationales en hydrocarbures et là, on est en train de voir tout ce qui n'est pas conventionnel, on va dire, le gaz de schiste et le pétrole de schiste. On essaie de développer un peu les ressources nationales, mais il y a également l'adoption d'une politique pour le raffinage et le renforcement de l'infrastructure pour le transport, la distribution, le stockage des produits pétroliers. Également, ça, c'est pour optimiser nos consommations. Ensuite, il y a deux volets qui sont primordiaux pour la stratégie énergétique. Il y a tout d'abord le développement des activités de production d'électricité et des interconnexions des réseaux électriques. Et là, nous savons que la Tunisie, actuellement, nous sommes interconnectés uniquement avec l'Algérie et en îlotage avec la Libye. C'est pas une interconnexion sur toute la Libye, mais c'est pour subvenir aux besoins des régions frontalières au niveau de la Libye. Et nous avons l'interconnexion avec l'Europe via l'Algérie. Mais ces interconnexions-là, elles sont limitées. Et il y a une possibilité, une énorme possibilité d'avoir une interconnexion avec l'Italie via le projet ELMED et nous y reviendrons. Donc la Tunisie, elle est appelée à renforcer ses interconnexions pour permettre d'optimiser l'utilisation de ses ressources avec les autres pays.
Et puis, le dernier volet, c'est le volet maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables. Et là, nous avons établi un programme, nous y reviendrons dans le slide suivant, un programme de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de l'énergie avec des objectifs. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, le programme, il a pour objectif en 2030, 30% en énergie renouvelable, et ce qui est l'équivalent à peu près de 3,6, entre 3,6 et 4 gigawatts de capacité additionnelle d'ici 2030, et des investissements aux alentours de 3 milliards d'euros. Et ça rentre un peu dans les objectifs. Quand on dit 30%, réellement, on va au-delà, on ira au-delà de 30% en énergie renouvelable en 2030. Quand on regarde économiquement aujourd'hui l'impact des énergies renouvelables, le coût du kilowattheure produit par les énergies renouvelables, quand on regarde aujourd'hui les possibilités de stockage via les batteries, on a vu un peu les tarifs obtenus au niveau des pays de l'Orient par rapport au coût de l'énergie, nous sommes face à une situation qui nous pousse vers introduire beaucoup plus des énergies renouvelables. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, pour atteindre ces objectifs-là, nous avons dû mettre en place un cadre juridique approprié, et cela en 2015. Ce cadre spécifique, il a trois modes de production d'électricité. Il y a tout d'abord le mode de production en autoconsommation, et ça, c'est le self-consumption. C'est pour permettre à l'industrie de produire leur propre électricité et pour maîtriser un peu plus le coût de l'énergie, le coût de revient de l'énergie dans leur chaîne de valeur, et d'avoir un peu une production maîtrisée. Ça, c'est pour l'autoconsommation, l'autoproduction ou le self-consumption. Excusez-moi, le deuxième volet, c'est l'autorisation. Et là, c'est pour les petits projets, 10 MW, maximum 10 MW pour le photovoltaïque et maximum 30 MW pour l'éolien. Et là, nous avons mis en place un modèle d'autorisation, des appels à projets qui passent par l'ACTER, le ministère, la commission technique ensuite des énergies renouvelables et finalement l'approbation du ministre qui donne un accord de principe. Et puis, le troisième volet, c'est le volet des concessions. Et là, c'est le volet des grands projets et c'est des projets de substitution. Et nous reviendrons par la suite sur tous ces régimes-là avec les particularités de ces régimes-là et tout ce qui s'ensuit. Next slide, s'il vous plaît. Alors, le cadre juridique, il y a les commissions, ce qu'on appelle les commissions d'approbation. Nous avons principalement deux commissions d'approbation. Il y a la Commission supérieure de la production indépendante d'électricité. Elle approuve un peu tout ce qui est projet, les projets en concession. Et il y a la Commission technique des énergies renouvelables, de la production privée d'électricité à partir des énergies renouvelables, qui approuve un peu les projets en autorisation. Et là, nous voyons un peu la composition de ces commissions et qui sont interdépartementales. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le ministère de l'Énergie, mais c'est tous les départements concernés du gouvernement qui participent à ces commissions-là. Next slide, s'il vous plaît. Alors, en 2019, il y a eu une révision pour l'autoconsommation. Et une révision qui a presque révolutionné un peu l'image du secteur électricité en Tunisie. Parce que depuis la création de l'ASTEG, début des années 60, c'était un monopole de distribution. Et là, la révision du cadre juridique en 2019, elle a permis la création de sociétés de projet qui vendent l'électricité à des autoconsommateurs ou des autoproducteurs qui soient éligibles. Et là, en 2019, c'est une amélioration pour permettre un peu plus aux autoconsommateurs ou aux autoproducteurs de produire leur propre électricité. L'ASTEG, bien sûr, assure le transport et
cette possibilité de créer une société de projet qui vend directement l'électricité à des autoconsommateurs éligibles, ça permet d'associer un peu le développeur qui a l'expérience technique, qui a l'expérience financière, juridique pour le montage, le développement, tout ça, qui le permet de s'associer avec l'industriel qui a un besoin d'énergie, mais qui n'a pas ces connaissances-là. Il n'a pas la connaissance technique, il n'a pas la connaissance, on va dire, de développement de ces projets-là, et il n'a pas les fonds parce que financer un projet qui soit un peu, on va dire, capitalistique sur ses propres, sur son propre actif, ça devient un peu compliqué. Next slide, s'il vous plaît. Alors, ensuite, on va parler un peu de tout ce qui a été réalisé par rapport à ces régimes-là. On va commencer par le régime de l'autoconsommation ou l'autoproduction. Dans le régime de l'autoconsommation, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est le régime BT, c'est basse tension. Ça, c'est tout ce qui est toit solaire sur les maisons résidentielles, c'est les maisons, les consommateurs, on va dire, ordinaux. Et là, nous avons installé jusqu'à ce jour une actualisation de chiffres. Ce n'est plus de 70 MW, mais nous avons installé jusqu'à aujourd'hui à peu près 100 MW de panneaux solaires sur les toits de maisons pour des consommateurs résidentiels. Et là, nous comptons avoir 20 MW additionnels chaque année. Quand on dit 100 MW sur les toits de maisons, c'est-à-dire que nous avons à peu près 200 hectares de panneaux qui sont répartis sur les toits de maisons et nous espérons aller de l'avant avec ce modèle-là avec 20 MW à installer par année. Ensuite, il y a le modèle HTMT. Et là, on parle des industriels et des services. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on a accordé à peu près 200 autorisations pour une capacité totale de 35 MW. Aujourd'hui, l'amélioration et la complétude du cadre réglementaire nécessitent la publication des contrats de transport d'électricité et d'achat des excédents pour les projets avec les sociétés, avec la création de sociétés. Ça, le décret tout à l'heure que nous avons, la loi de 2019 qui a permis la création de sociétés de projet, elle a été complétée par un décret d'application qui a mis en place quelles sont les règles et les textes d'application de ce décret. Il y a trois textes d'application. Il y a tout d'abord l'arrêté concernant la puissance d'éligibilité, la capacité d'éligibilité des autoproducteurs qui sont éligibles à avoir accès à ces sociétés de projet et acheter l'électricité auprès de ces sociétés de projet. Ensuite, il y a la décision relative aux tarifs de vente des excédents d'achat des excédents et de transport d'électricité. Et là également, c'est une décision qui sera établie entre le ministère et la STEC pour avoir un tarif qui reflète un peu la vérité des prix. Et enfin, la publication d'un arrêté portant approbation du contrat d'achat des excédents et d'autotransport d'électricité. Et nous allons voir un peu quelles sont toutes les possibilités dans ce contrat, notamment le net metering, le service de net metering, les coûts relatifs au service de net metering, les bilans, que ce soit mensuel, le report des bilans et tout ça. Donc, il faut qu'on est en train de travailler sur tous ces documents et nous espérons les terminer d'ici le mois d'avril 2021. Next slide, s'il vous plaît. Pour le régime de l'autorisation. À ce jour, nous avons lancé quatre rounds d'appels à projets. Les quatre rounds, le premier round, nous avons reçu à peu près 69 offres. Nous avons accordé 6 projets de 10 MW et nous avons accordé 4 projets de 1 MW. Alors, les tarifs pour les projets de 6 MW, c'était des tarifs allant de 117 millimes, le tarif le moins cher par kilowattheure, jusqu'à à peu près 177 ou 178 millimes par kilowattheure. Et donc, il y avait le spectre, il était large. Le segment des tarifs, il était relativement large
pour le premier round. Et pour les projets de 1 MW, on était entre 190 millimes et 249 millimes. Donc, ça, c'était le premier round. Ensuite, le deuxième round, nous avons accordé 20 accords de principe. Alors, il y avait quatre projets éoliens de 30 MW. Le tarif moyen de ces projets, c'était 127 millimes. Le premier tarif, il était aux alentours de 112 millimes, 111 millimes. Mais les trois autres tarifs, ils étaient dans une poche de 133, entre 133 et 135 millimes. Donc, la moyenne, c'était aux alentours de 127 millimes. Nous avons accordé également six projets de 10 MW photovoltaïques. Et là, ces six projets, le tarif moyen, c'était 130 millimes. Mais le segment, il a varié maintenant. Ce n'est plus entre 117 et 177, mais c'était plutôt entre 111, 112 millimes et 146 millimes. Donc, l'écart entre les tarifs, il a commencé à se réduire et le marché, il a commencé à converger. Et puis, nous avons accordé également 10 projets de 1 MW à 210 millimes à peu près. Alors, le dernier round, le troisième round accordé, et on a accordé 16 projets, 6 projets de 10 MW et 10 projets de 1 MW. Et là, la surprise, c'est que les tarifs pour les 10 MW, c'était entre 125 millimes et 130 millimes. C'est-à-dire que le marché, il a trouvé sa convergence. Et maintenant, nous savons à peu près que le coût des projets 10 MW, c'était aux alentours de 125 à 130 millimes. Alors, nous avons lancé actuellement un quatrième round. La date limite de remise des offres de ce quatrième round est prévue au cours du mois de février. Alors, quelle est la particularité de ce régime? Il faut se dire, oui, ce régime, mais pourquoi? Tout d'abord, c'est pour mettre en place une expérience tunisienne, pour créer des développeurs tunisiens. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui ces projets qui vont être réalisés sur des terrains principalement privé. Et donc, l'investisseur, on va dire l'investisseur étranger, il a besoin d'un partenariat avec un investisseur tunisien pour réaliser son projet, qui connaît le terrain à peu près, qui peut l'introduire sur toutes les problématiques de foncier, d'autorisation, de permis, tout ça. Donc, cette association permettrait à terme de mettre en place des développeurs tunisiens, de créer des développeurs tunisiens qui pourraient par la suite, à travers ces partenariats avec des développeurs étrangers, s'exporter un peu dans d'autres pays pour pouvoir partager cette expérience-là et investir dans ces pays-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les projets de 1 MW. Les projets de 1 MW, c'est des projets totalement en dinar tunisien. Vous savez que les projets 10 MW, il y a 85% qui pourraient être indexés sur l'euro ou le dollar et 15% en dinar tunisien. Par contre, pour les projets de 1 MW, c'est totalement en dinar. C'est destiné principalement aux investisseurs tunisiens qui veulent rentrer sur ce marché et qui veulent avoir des expériences par rapport à ces projets-là. Donc, le régime de l'autorisation, son objectif, c'est de créer un tissu de développeurs tunisiens avec des partenariats avec des développeurs étrangers pour pouvoir s'exporter par la suite et investir à l'étranger. Next slide, s'il vous plaît. Alors, comme nous l'avons dit, nous avons lancé le quatrième round. Actuellement, nous avons élaboré quand même, nous sommes en train de finaliser un peu une convention d'assistance technique et d'accompagnement pour la réalisation du raccordement. Vous savez que ces projets sont réalisés sur des terrains privés et donc il y a un besoin de raccorder ces projets. Et généralement, il y a une possibilité que ces projets, que la réalisation de ce raccordement soit faite ou bien par le porteur de projet ou bien par la STEC, et donc une convention pourrait être établie entre les deux. Il y a ensuite l'élaboration d'une convention de raccordement et d'exploitation, et là c'est pour mettre en place
tout ce qui est dispatching, gestion de la centrale et tout ça, l'interface entre la STEG et la centrale. Ensuite, on est en train d'étudier la possibilité d'accorder une lettre de confort pour débloquer les financements. Nous savons que nous avons un problème de financement par rapport à certains, par rapport au contrat, le contrat type pour ces projets-là, il est un peu compliqué à financer et nous essayons de mettre en place une lettre de confort qui pourrait débloquer cette situation de financement. Et enfin, on est en train de réviser le cahier de charges technique pour le raccordement des projets d'énergie renouvelable. Et là, avec l'expérience que nous avons eue par rapport à ces projets renouvelables, nous allons mettre à jour le cahier de charges pour pouvoir aller de l'avant. Next slide, s'il vous plaît. Je crois que je suis un peu débordé. Ensuite, on va parler un peu du régime des concessions. Vous savez que nous avons lancé trois appels d'offres pour le régime des concessions. Le premier appel d'offres, il est relatif au projet 500 MW photovoltaïque sur les sites de Sidi Bouzid, Gafsatouz, Kérouan et Tataouine. Ensuite, il y a les projets, un appel d'offres pour les projets 300 MW sur des sites proposés par l'État, 200 MW à Nabeul, Jbal Abdelrahman et 100 MW à Kibili, Tbaga, Jbal Tbaga. Et enfin, il y a 200 MW qui sont développés proposés par les développeurs. Next slide, s'il vous plaît. Alors, si on veut voir un peu la question de, on va commencer un peu par le régime des, on va commencer un peu par le régime des concessions et 500 MW. Nous avons reçu, on va pas rentrer dans le détail, on a préqualifié, on a eu une préqualification, on a reçu 59 offres, on a préqualifié à peu près 16 candidats et 12 candidats pour l'éolien pour les 300 MW. Alors, nous avons reçu 8 offres pour les projets de 500 MW et la grande surprise, c'est que nous avons eu le meilleur tarif jusqu'à ce jour en Afrique pour les projets photovoltaïques à Tataouine par Scatec et qui est aux alentours de 2,4 centimes de dollars. À l'époque, c'était 72 millimes par kilowattheure. Bien sûr, le tarif, il est à 80%, à peu près 80, entre 80 et 82% indexé sur le dollar et l'euro et l'autre partie sur le dinar. Alors, comme nous l'avons dit, nous avons reçu 8 offres et il y a eu Scatec qui a gagné 3 projets. Ensuite, nous avons Engie Nareva qui a gagné le projet de Gafsa et TBEA AMEA qui a gagné le projet de Kérouan 100 MW. Next slide, s'il vous plaît. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les projets en concession? Vous savez que je vais parler un peu maintenant de la procédure parce qu'on a eu certaines critiques par rapport à la procédure. Vous avez reçu les offres le 19 juillet 2019. Aujourd'hui, on est à décembre 2020. Où est-ce qu'on en est? Alors, tout d'abord, on a eu un recours sur les résultats. Et donc, on a pris notre temps pour voir toutes les instances avant de publier le résultat. Et ce recours nous a fait perdre à peu près 4 mois. Et là, l'annonce des résultats a été faite le mois de décembre 2019. Ensuite, on a invité les bailleurs de fonds le mois de janvier pour les négociations des accords directs et éventuellement des améliorations sur la convention, les accords principaux, c'est-à-dire la convention de concession, le contrat de cession et l'accord d'occupation de terrain, sans changer la répartition des risques. Le principe, c'était sans changer la répartition des risques sur ces accords-là, essayer d'améliorer pour les rendre les plus bancables possibles. Nous, notre souci, c'est la bancabilité de ces projets-là. Donc, quand on a invité un peu tous les sponsors retenus ou les promoteurs retenus pour réaliser ces projets-là, nous leur avons demandé de mandater les banques pour avoir les banques avec nous autour de la table parce que, là, comme vous le savez, hein, la bancabilité, ce n'est pas avec les sponsors, c'est avec les banques. Et donc, les banques, elles ont été mandatées fin avril. Avant ça, c'était des négociations qui portaient un peu sur des points techniques, mais
aussi sur des points, on va dire, sur les points de bancabilité, mais on avait besoin d'avoir les banques mandatées. Ça, c'était une condition préalable pour nous, pour le ministère. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'avoir, de s'assurer de la bancabilité de la documentation. Donc, nous pouvons dire que réellement, les négociations, elles ont commencé le mois de mai 2020. Donc, du mois de mai 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous avons aujourd'hui finalisé presque toute la documentation. Il reste juste un ou deux points, mais nous espérons les finaliser avant fin novembre. Et je peux vous dire que les accords de projet passeront par l'approbation du gouvernement au cours du mois de décembre et passeront à l'ARP, nous espérons, le mois de février pour l'approbation et l'entrée en vigueur. Donc, pour les 500 mégawatts, nous avons réussi jusqu'à maintenant à avoir des négociations constructives qui permettent d'aller de l'avant et qu'il n'y ait pas de point bloquant pour la bancabilité de ces projets-là. Aujourd'hui, on a finalisé ces documents-là, on va passer à l'approbation, en même temps, on va lancer de nouveaux appels d'offres. Et là, quand on parle de nouveaux appels d'offres, on parle d'un appel d'offres de 200 à 250 mégawatts à peu près photovoltaïque avec des projets 60 à 70 mégawatts et c'est des sites proposés par les promoteurs. Nous espérons lancer cet appel d'offres-là le mois de février avec une possibilité que nous sommes en train d'étudier avec la SEG, la possibilité d'introduire une composante de stockage. Et nous reviendrons tout à l'heure à la composante de stockage, c'est les défis que nous avons pour notre programme énergie renouvelable. Donc, ce qui est à retenir, les 500 MW, nous avons bouclé les négociations. Ils seront bouclés d'ici fin novembre, donc d'ici 3 jours. Nous avons le passage par l'accord gouvernemental au cours du mois de décembre et nous espérons avoir l'approbation de l'ARP sur cette documentation au cours du mois de février 2021. Alors, ensuite, nous avons les projets éoliens de 300 MW et nous pouvons vous dire que le lancement de la campagne de mesures sera pour le mois de janvier 2021. Nous avons eu certaines difficultés pour mettre à disposition les sites. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de sécurité nationale par rapport à ces sites-là. Et donc, nous avons fait des études pour trouver quelles sont les solutions pour permettre d'atténuer l'impact des éoliennes sur ces sites-là, sur des instruments ou sur des équipements de sécurité nationale. Et nous avons fait des recherches avec, et nous remercions d'ailleurs la GIZ pour son appui, la coopération allemande, qui nous a appuyé énormément dans la réalisation de ce programme, dans les appels d'offres en concession. Donc, aujourd'hui, la campagne de mesures, nous espérons la lancer au cours du mois de janvier 2021 pour les deux projets 200 MW à Jbal Abdelrahman et 100 MW à Tbaga. Enfin, pour la restructuration de l'appel d'offres de 200 MW. Nous avons annulé l'appel d'offres de 200 MW avec site proposé par les promoteurs et nous allons restructurer cet appel d'offres. Nous allons lancer également un appel d'offres pour 600 MW éoliens sur 4 ans, deux projets de 75 MW par an. Donc, d'ici le mois de février, on lancera cet appel d'offres avec la première date de remise des offres dans 9 mois. C'est pour laisser un peu, pour faire s'il y a des mesures, une campagne de mesures à faire ou des corrélations par rapport à une campagne de 6 mois pour que les développeurs puissent préparer et présenter une offre d'ici 9 mois. Et puis après, chaque année, on aura une nouvelle date de déposition d'offres pour avoir 600 MW en éolien d'ici 4 années. Next slide, s'il vous plaît. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons un programme très ambitieux. Mais d'un autre côté, nous avons une contrainte de flexibilité.
Pourquoi? Parce que quand on dit qu'on aura, par exemple, en 2025, 2000 ou 2500 mégawatts renouvelables, photovoltaïques et éoliens, et par rapport à la gestion de la demande, on aura un problème dans la mesure où on n'est pas réellement connecté à l'Europe, on est connecté à travers l'Algérie avec des limitations sur ces connexions-là. Donc, nous avons besoin de trouver des solutions pour mieux intégrer ces énergies renouvelables et les actions nécessaires, tout d'abord, et à la flexibilité et intégration du renouvelable au réseau électrique à l'horizon 2025 et 2030. Là, c'est des études qui sont en cours pour voir quelles sont les solutions pour introduire le renouvelable. Le dispatching national également, comment il va gérer une capacité aussi importante renouvelable. Ce n'est plus une capacité conventionnelle où on appuie sur un bouton, on monte en charge ou on descend en charge. Là, c'est au gré du climat. C'est-à-dire que si on a du soleil, on aura du photovoltaïque. Si on a du vent, on aura de l'éolien. Et là, c'est des logiciels de prévision qui sont nécessaires, qui devraient accompagner le dispatching national pour gérer cette capacité renouvelable. Les solutions maintenant de stockage. Vous savez, aujourd'hui en Tunisie, 2500 mégawatts, c'est compliqué de les intégrer dans le réseau. Donc, on a besoin de voir quelles sont les solutions de stockage qui permettent de mieux gérer l'offre et la demande avec des capacités renouvelables qui sont très importantes sur le réseau. Et là, les solutions, il y a tout d'abord le CSP. Et il est à l'étude pour la période 2025-2030. Une étude est en cours avec la Banque mondiale et nous essayons de mettre en place un ou deux projets entre 2025 et 2030 en CSP, en attendant bien sûr que les tarifs du CSP soient compétitifs ou aussi compétitifs que les batteries. Ensuite, il y a les batteries. Et aujourd'hui, vous avez vu que, par exemple, on est aux Émirats Arabes Unis. Le tarif qu'ils ont obtenu pour un projet avec un stockage aux batteries, c'était un tarif sans commentaire, on va dire. Je ne vais pas commenter ce tarif-là, mais un tarif très, très incitatif à regarder de près cette solution de stockage de batteries. Il y a la STEP, la station de transfert d'énergie par pompage, et là, il faut qu'il y ait un site prédisposé pour accueillir une STEP. Aujourd'hui, on est en train d'étudier un site à Wadi Mela pour voir la possibilité de mettre en place une STEP. Maintenant, les solutions, ça, c'est des solutions, on va dire, de stockage qui ne changent pas un peu le mode de consommation. Maintenant, on va essayer de voir les stockages qui changent le mode de consommation. Et là, on parle de l'hydrogène. Quand on parle de l'hydrogène, on est en train de voir avec la coopération allemande et avec le gouvernement allemand la possibilité de mettre en place une feuille de route pour développer l'hydrogène en Tunisie. Vous savez, aujourd'hui, l'hydrogène, il permettra un peu d'absorber cet excédent des énergies renouvelables, mais également dans cette feuille de route, ce que nous cherchons, c'est de mettre en place quelles sont les possibilités de consommation, de créer un marché local de consommation par rapport à l'hydrogène. Par exemple, la production d'électricité, quand on fait un mix entre l'hydrogène et le gaz. On est en train d'étudier un peu cette possibilité-là. Il y a également les piles à combustible dans le transport, équiper un peu les voitures de piles à combustible et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, quand on parle un peu de piles à combustible, ce n'est pas uniquement consommer de l'hydrogène, mais il y a toute une infrastructure à mettre en place pour consommer. Donc, création toute une industrie autour et tout un investissement autour qui permettra de développer cette filière. Il y a ensuite la mobilité électrique, c'est sans oublier la mobilité électrique. Et quand on parle de mobilité électrique aujourd'hui, on regarde l'évolution qui est en train d'être atteinte au niveau de la mobilité électrique en Europe. On peut dire que on est dans l'obligation d'essayer de mettre en place ça, voire même si c'est possible que la STEG fasse des investissements pour vendre l'énergie renouvelable pour des voitures électriques, mettre en place par exemple des points de desserte
d'électricité ou de chargement d'électricité par rapport aux mobilités électriques. Ensuite, bien sûr, il y a l'élaboration d'un code des énergies renouvelables, la refonte de tous les textes d'énergie renouvelable, la promulgation du plan national des énergies renouvelables également et la promulgation de la loi relative à la création d'une autorité de régulation. Ici, je voudrais ajouter un mot par rapport à l'autorité de régulation. Comme vous le savez, si on était avec deux ou trois producteurs, la régulation, elle peut être assurée par le ministère. Mais aujourd'hui, avec la multiplication d'opérateurs sur le marché, la nécessité de mettre en place, ce n'est plus une option, la mise en place d'une autorité de régulation, mais c'est une obligation pour pouvoir avoir quelqu'un qui soit à égale distance de la STEC et de l'État et des opérateurs pour pouvoir mettre en place les règles d'accès au réseau, pour pouvoir réviser un peu tout ce qui est contrat et gérer un peu ces relations entre les différents opérateurs sur le marché. Next slide, s'il vous plaît. Et je vous remercie, bien sûr, pour votre attention avec ces... Désolé, j'ai pris un peu plus de temps, mais j'espère que j'ai essayé de résumer un peu tout ce que nous avons fait et tout ce que nous essayons de faire pour aller de l'avant avec la Tunisie et pour pouvoir réussir notre programme de développement des énergies renouvelables. Merci tout le monde. Merci Monsieur Chibou pour cette présentation qui est en fait très riche, très exhaustive, qui donne aux participants qui sont actuellement plus de 100 personnes, ils sont 102 personnes actuellement, une idée très claire sur la situation en Tunisie de production de l'électricité à partir des sources des énergies renouvelables. Donc, vous avez parlé dans détail du cadre actuel, réglementaire, contractuel et avec les différents types d'autorisations, de concessions et tout, qui sont très intéressants. Et surtout, vous avez partagé avec nous votre expérience, l'expérience de la Tunisie en matière de résultats des appels d'offres et que la Tunisie actuellement, elle est en bon droit, en bon chemin pour améliorer la situation, pour attirer ce qu'on appelle des investisseurs. Vous avez parlé très intéressant des choses qui sont maintenant, comme on appelle, au niveau de la recherche, c'est le stockage de l'énergie électrique au niveau de l'hydrogène, et ça, ce qu'on appelle la Power to X. Et je suis très content de savoir que la Tunisie, elle est sur ce chemin, qui va, et aussi, comme dans le monde, la tendance est aussi de l'utilisation de la voiture électrique, je pense que aussi le stockage par la voiture électrique pourrait aussi constituer une solution. Mais comme vous avez dit, il est toujours très important l'intégration de cette production d'électricité dans le réseau pour voir si le réseau électrique actuel, il peut la gérer. Bien entendu, on voit que la Tunisie est sur la bonne voie, mais comment attirer le secteur privé et les investisseurs pour exploiter ce potentiel important de la Tunisie en énergie renouvelable? Nous avons actuellement deux autres présentateurs qui vont être avec nous pour aussi éclaircir sur ce sujet. Merci beaucoup, M. Chibou. And now I want to shift to the other presenters. Mrs. Ariane Brunel. The title of the presentation is "What role the private sector can play to unlock the renewable energy potential in Tunisia." Ariane Brunel is an associate director with the Energy EMIA team. EMIA team is the Sustainable Infrastructure Group. Is a part of the European Bank for the Reconstruction and Development. And this team is mainly covering the bank's operation in the sector in Morocco, Tunisia, and Lebanon. She joined the European Bank of Reconstruction and Development in 2011 and has been working in the banking industry in London for the past 12 years, mainly focusing on emerging markets. She is graduate of ESSEC Business School. ESSEC Business School is among the leading higher education institution in management in France and in the world. I
The floor is for is yours, Mrs. Ariane Brunel. You can start. Thank you very much, Adele, for the presentation. It's always difficult to present something just after Mr. Chiboub, but I'll try to, you know, keep it interesting as he did. All right, so if you can go to the next slide, maybe. Next one. All right, so I will quickly go through that, but Mr. Chiboub did it very well. So I think we all agree that there is an untapped and outstanding renewable energy potential in Tunisia. Currently, the renewable energy installed capacity of renewable energy in Tunisia is about 300 megawatts plus, and this represents kind of less than 5% of the Tunisian electricity mix. But Tunisia has set ambitious targets, as mentioned in the previous presentation, 30% by 2030, this more than 3 gigawatts by 20. So this means more than 3 additional capacity of 3 plus 6 gigawatts by 2030. And you've seen all the work that has been doing, you know, in order to set up the regulatory framework around it. Next slide, please. So when you combine the huge potential for renewable energy in Tunisia with the declining technology costs, so you can see that the technology costs have been clearly decreasing. This has been a trend. And when you look at the figures since 2010, you see it's quite striking. So 85% drop for both batteries and solar panels, and roughly 50% for wind turbines. Next slide, please. I think you can go. Okay, perfect. So in a way, there is this magical formula, which is, you know, you have exceptional natural resources, which is the case of Tunisia. You have declining technology cost, which is kind of a trend that it's definitely present in the market. And then you really need to have a sound regulatory framework. And this, you know, the three pillars will bring you competitive tariff. And clearly, what we've seen in Tunisia is the result of this magical formula. So, as mentioned in the previous presentation, the tender for solar project that has been launched in Tunisia last year, I mean, was launched a year before, but the results were announced last year, and you had the lowest tariff in Africa, and this is still indeed the case as of today. Next slide. So here I just wanted to show that this is clearly something that we've seen, and that we see that we have a race to the lowest bid. Every time we feel that we've reached the bottom, and it seems that it's not the case, and you always get lower and lower. And to date, you can see Tunisia is at the bottom with clearly the record for Africa. Next slide. And here it was a way as well to show you clearly for solar PV, the declining trend. Here we are not just comparing in Africa, but worldwide, but you still see that Tunisia is among the lowest tariff compared to the, you know, if you take like a worldwide benchmark. Next slide. So then let's go back to kind of how we can unlock this potential. So maybe if I start with a second point, which is the public authority. So this is exactly what Mr. Chiboub and his team is doing. As you've heard, they are doing quite a lot. I was thinking that I was able to multitask, but clearly this is you know, another level. So first you need for sure a transparent and a sound regulatory framework for IPPs. And this is key. Of course, but this is not the only thing that is needed. You also need, and I think that was mentioned as well in the previous presentation, is the fact that you always need the grid and the state-owned utility company in the case of Tunisia, but you need as well the grid to be ready to integrate more and more renewables. So it's just not a matter of saying, okay, we want to push for renewables and we just focus on renewables. But you also need to invest in the grid and make sure that the grid can integrate more and more renewables. And this can go through different routes. And, you know, one areas of
that can be explored is indeed looking at storage capacity, looking at hydrogen capacity, looking at, you know, just investment and strengthening the grid itself. We were talking about the dispatching capacity, you know, that you kind of need to work on this as well. So you cannot just put a lot of, I mean, you can, but if you want to, like, if you want to set up a sustainable trend towards a shift towards gas, kind of gas-dominated electricity mix to something more balanced with more renewables, you need to look into that as well. And then you have the private sector. So here I've kind of separated the private sectors and the investors, but in a way they're, you know, in this presentation, they're together. So you have the developers, you know, the sponsors who are going to develop, ensuring like timely construction and develop and construct the generation fleets for renewable energy assets. And then you will have the investors, the financiers, the people like EBRD, but like other institutions that will then finance the renewable energy projects. And so the question today is, how can we make sure that the private sector is going to be active? And clearly, you need to have all these different, the key stakeholders have a role to play in order to make sure to unlock this potential. Next slide. So what EBRD can do for this? Next slide. So at EBRD, we have this quite unique way of working where we are doing at the same time, we are working with public companies. So EBRD will be working with STEG, for instance, and is actually working at as we speak with STEG on different projects. Because, you know, it's a unavoidable stakeholder of this electricity sector. It remains, you know, quite a dominating player in the electricity sector in Tunisia. But also because we believe that, as I mentioned in the previous slides, they are part of it. So you cannot just kind of turn your back and saying, I just focus on private sector. Now, because they have a role to play, and so you can accompany the public companies in order to ensure that they are able to play the role that they have to play in order to unlock the potential of renewable in the country. EBRD is as well quite unique because we are working with public authorities. So what we are doing is we are providing policy dialogue activities and efforts in order to support authorities in different, you know, in the needs that they can have. But for instance, in Tunisia, we have been working with Mr. Chiboub and his team for quite a while now in terms of looking at the PPA, trying to make sure that the PPA was bankable. So this is the work that we've been doing over the past years. But as well, for instance, we are, you know, in Morocco, we are helping Morocco to set up a grid code. We are looking at some studies for, you know, for kind of what is the next development, next trend for the sector. I mean, you know, like we can provide a lot of different policy dialogue activities, which will support the authorities in kind of exploring different options and then taking a decision on the basis of the information that they got. And then, of course, and this is maybe what we are quite famous for, but we are working with the private sector. And we are financing renewable energy sector projects. And you'll see in the next slide that we are quite active in that area. So EBRD is clearly a private focused bank, but because of his unique position and his ability to be working with the public authorities, with the state-owned utility, the public companies, and with the private sectors, this gives you a very good understanding and like a 360 overview of the sector. So you have a good understanding of what's happening. And so you can as well be sure to shape your tools and your support in line with, you know, what you think is the best, is the most suitable and the most needed assistance at a moment of time. Next slide. So as I mentioned, I mean, clearly the bank is rather known for its private sector focus. We have invested
1.6 billion in 2018 in over 36 projects in the electricity sectors. In the past 5 years, we have invested on average 1.3 billion euros per year. Renewable energy generation is, the part of the renewable energy project in our portfolio is growing every year. And yeah, so if you take a cumulative number in terms of financing since 1992, you reach 16.3 billion euros. So we have a huge firepower, and this as well is extremely useful, because this really enables the bank not to have some limitation. And when we believe that we are additional and we can support and finance project, then we can really go there with a relatively limited restrictions. Next slide. So yes, this was just to illustrate what I was just mentioning before, which is you can see that the part of the renewable energy the renewable energy portfolio in the overall portfolio of the bank is actually increasing, and has taken over our investments in fossil fuel in 2014. Next slide. And this is a bit as well, because I don't know how familiar you are with EBRD, but EBRD, we are kind of covering from Morocco to Mongolia, to keep it simple. And we have been supporting, renewable energy sector in throughout these countries. And I hope that next time I speak, I can add an arrow to Tunisia to say that we have been able to finance a renewable energy project, hopefully at the next webinar. But this shows as well, the diversification, the fact that EBRD has a really has an expertise, in different even renewable energy sector within the renewable energy sector, be it hydro, biogas, biomass, wind, solar, and whatever different type of regulation. EBRD has been instrumental in making sure that they could, in financing the Egyptian big solar park. And again, I hope that we'll be able to do the same in Tunisia. Next. So thank you very much. And please let me know if you have any questions. Okay. Thank you, Ariane, for this very, very interesting and clear presentation. And as you said, we hope with you that the EBRD can put Tunisia in its portfolio for renewable energy project in the next webinar. I want to explain something for the audience that Ariane has other commitment, and maybe she will leave. Then please, before that leaving, I want to ask two questions like this. The first one, because we are speaking about the investors and private sector, and EBRD also has this experience, I want to ask Ariane, what Tunisia need to do to attract private investors? Is the first question. Thank you, Adela. I mean, they need to continue what they're doing, because clearly, I think it's clear, and it was clear from the previous presentation, that Tunisia realizes that they need to diversify to renewable energy. And I think it was quite striking in the previous presentation, the fact that it's a fact, and no one is arguing that. So there is the willingness, and this is quite important, because if you don't have a will, it's going to be difficult later on. So you definitely have a strong willingness, and this is crucial. Then you need to be, to set up a sound and transparent and bankable regulatory framework. And clearly, this is the work that is currently being done by Mr. Chiboub and his team. What we believe as well is, the first tender is always the kind of the hardest, because you really you do everything kind of for the first time.
but we are quite hopeful that for the next one, things will get, you know, clearly easier, because all the different points would have been agreed kind of at the beginning. So there is clearly a trend that will that the next ones will be easier than the first tender. And then I think it's quite important, the transparency. So you really need to set clear timelines and stick to them. And I think that's kind of the challenge that we see not only in Tunisia, I would say everywhere, you know, like, so you, it's investors need to have a good understanding when they are bidding in a project, when are going to be the next steps, and try it as much as possible to stick to kind of, you know, I don't know, like this is a pre-qualification phase, this is the next step, this is a, just because this is quite important. So transparency, and again, I think that is something that we see, it's clearly not specific to Tunisia, but in general, something I would say that always important for investors. Okay. Thank you very much for this. I want to ask another thing, because we saw Mr. Chibou present for us the situation in Tunisia, and we see that in Tunisia we have really a progress. But if we compare to the other country, it's still late. Then can Tunisia catch up that it is late start in developing renewable energy? So that's, thank you for this question. Clearly, you've seen that, you know, in the region, you have had countries that have started quite before Tunisia. You can say this is at the disadvantage of Tunisia. I actually think that this is at the advantage of Tunisia. So it's a bit like, you know, you don't have to reinvent the wheel. You have things that have been working around you, and you can then look at that and get some inspiration. And so I think, and that's definitely the attitude I've seen. So I would say it's important now to start developing renewables, and this is happening. But I also believe that because Tunisia was maybe lagging behind other countries in, you know, in developments of renewables, can really be an asset for Tunisia, because, you know, kind of they're starting with the lowest tariff in Africa. So they didn't have to go through the very expensive feed-in tariff, or, you know, like they kind of went straight to the auction system, and that's at their benefit as well. So I would say, you know, now it's good that they are really focusing on that, but this is clearly something that has turned into their advantage. And so I think, in a way, this is at the end positive. Okay, thank you very much, Ariane, for this. And now maybe we can shift to the our last presenters. Okay. Thank you very much. Thank you. I want to shift now to Mr. Ricardo. Ricardo, our last presenter. The presentation is enabling the development of decentralized route to market for RES in Tunisia. Mr. Ricardo is a senior principal consulting at Afri Management Consulting and is an expert of electricity market regulation, quantitative analysis, modeling, and forecasting. Ricardo is the Milan office of responsible of the reporting of Italian and African market and AFRI for power market analysis and design study in non-EU country. His expertise extends to power market regulation and design of several African markets, including Egypt, Tunisia, Ethiopia, Kenya, Morocco, South Africa, and Eastern Africa power pool. Through his career, Ricardo has provided market advisory service to leading energy market operators for strategy, business development, financing, and also M&A purpose with a focus of renewable energy and generation. The floor is yours, Mr. Ricardo. You can start. Thank you very much, Adel, for your presentation, and good morning to everyone. So, quickly entering into the topic, as I see time is running fast. What we want after the previous presenter, what we want to focus today is a specific element of Tunisian features and
renewable market. In particular, we focus on how a piece of the regulation to foster decentralized development of renewables is working, and how this can be improved in order to accelerate the development of renewables in okay, sorry, can, okay, I was muted again. So I think we don't have to spend time on this. I mean, the previous presenter already discussed, in particular, Mr. Shibub already presented a full clear picture of what is happening in Tunisia and what's going on. So just to clarify, there is a fast expansion in terms of demand, very high resources, a local dependency and a dependency of imported resources, and so this is what drove the push of the government to foster renewable development. And now we focus on something that is, sorry, this is, seems to not work. Okay, so something which is more focused on the decentralized renewables and how the government has been fostering these through a specific regulation for self-consumption, which already Michel Chibot presented, so I will go quick through this. This has been introduced some years ago, but and in particular has been improved in last year, also in the last decree in 2020. However, so far not completely has been exploited the possibility to use this this specific scheme. And when here is where the question arises. So how this can be improved and what can be done to use this scheme already set up and foster renewable development. So we went into a regulatory analysis of this particular scheme in Tunisia in order to identify what are the barriers which are slowing down and limiting the effectiveness of development of self-consumption. And we found that some feature or issues are affecting this this particular scheme. First of all, the project governance, which already Mr. Chibub detailed very well. So that has been, let's say, not sold, but a good push in the right direction has been put in the last decree in 2020 to allow third party to enter into projects above 2 megawatts. And but still here is missing some secondary regulation to define some specific feature that are needed to ensure that private investors are attracted to this to the scheme. A more general issue on the market governance, as still Tunisia is let's say in an vertical integrated dominated market by an incumbent that and also the roles are not clearly defined, and very is still missing an independent energy authority, and this characteristic in the market typically limits the attraction, the attractiveness for private investors, especially from abroad. Then there is also a lack at the moment of a clear plan regarding renewables, which is one of the points that also Mr. Shibu mentioned as one of the first move to do, so to set up a clearer plan on renewable. And then coming to the specific design of the market, there is still some limitation which is given by the absence of some
cost-reflective and clear tariff, especially for wheeling, that it is not clear how they are changed and when and with rationale behind it. And as a last one, specific to the self-consumption scheme, that there is a way the metering is implemented that does not give a clear view of what will happen to the surplus energy and how it can be sold to the market and valued into the market. And as a last point, it is still missing a clear and simple permitting procedure, which is crucial to accelerate the development. And well, I'm Italian, so I perfectly know what happens if you have a permitting procedure that is not smooth and how it can jeopardize renewable development. So the question is, how these barriers affect this this particular scheme for self-consumption. And to assess this, we took the perspective of the renewable project in all the steps that go from the scouting into the market to look if an investment and a business opportunity exists, down to the construction and the energy of taking of the project. And across all these steps of the project life cycle, we explore where the barriers are hitting, and so where some remedies can be taken. And looking at this, so looking at this project life cycle, we evaluated the different barriers we mentioned above. And first of all, those barriers which regard what we call the openness of the market. The openness of the market is what we intend to be the capability of the market to be clear and open to a private investor to come in and understand what's happening, what are the rules in the present and for the future, and have some solidity in the understanding of what can happen to a potential investment. And what we see is that, first of all, we have the issue on project government that is still a barrier, but because some secondary regulation is missing, but a great push has been given in the last decree in 2020. So the target is clearer. There is only a step to do on some specific issues to unlock this, this specific and eliminate this specific barrier. Then on the market governance is something that is a more transverse way. The presence of a market which is not fully liberalized and how it works is not clear, typically this is something that hinders all the aspects of a renewable project, from the business case once analyzed to also the possibility to the permitting, increase the risk on the financing, and also the way the energy of taking happens if the for example, the tariff are not cost reflecting, and so it's not possible to predict how the value of the energy of this plant will be in the future. And then on the approach, when once have been the market, also planning, a clear planning is something that can limit significantly. Then it's what we call the attractiveness, so what relates to the economic return of a potential project from an investment perspective, obviously. The absence of clear tariffs and these issues on the metering, which can limit the visibility of the value of the energy, clearly can limit the value and the return of a project that an investor can see. And as the last point, what we call readiness. Readiness is what we see as whatever regards the fact that you can effectively
build a project and bring it to life. And here is where falls the presence of a very long permitting procedure, not even differentiated by dimension, so that can limit, especially maybe for the smaller project. To understand how to mitigate this barrier, we also look at some other countries to see if some remedies can be taken. And we chose, let's say, three countries where maybe not similar at all, but where similar approach for self-consumption and distributed generation has been taken. And we look at Egypt, first of all, which is a near one, where exists a scheme for this. It's somewhat more similar from market design feature, and that is trying to improve the possibility to develop self-consumption and distributed generation. Then we look also at India, which means a lot of things because India is very big, but especially because India is, despite its still not a liberalized market, is pushing a lot on the possibility to in a direct interaction through corporate PPAs of generators and end user, and this is accelerating a lot the development of renewables, and so it's interesting to understand how they're moving in this direction. And last, Chile, just to go around the world in terms of an example, as another country where we found some interesting scheme, but also what is the impact on a scheme of a market which is, on the contrary, liberalized and open to private sector. So what we found here? So what are the scheme that are present in this country? In Egypt, there is a net metering, which exists for has been existing for some years, and so far not a very large, because it's existence in 2014, so it's some years is present. Not a very large amount has been developed. However, we see that after a review that has been done in 2020 to clarify the participation of third parties and extension up to 20 megawatt, there are around 300 megawatt of waiting authorization that are looking to for this scheme, that are waiting for other reasons, because now Egypt is facing, unfortunately, a situation of oversupply. But the direction is that one, and it is working for Egypt. In Chile, on the contrary, is an interesting example, because there exists a scheme for self-consumption, which is this PMGD, which actually, if we look at self-consumption, it has not been very successful, because only 46 megawatts has been developed, which is something, but not massive, I would say, because then the scheme exists since 10 years. But nevertheless, because you have on the other side a liberalized market which allows the possibility to set up corporate PPAs, in any case, decentralized generation has been developed, and more than 2 gigs has been built in the last years. So just to give a view of the fact that there are different pieces of the regulation which interact and that can foster decentralized renewable development. And last is India, which has two schemes at the moment, a net metering scheme and also a captive generation scheme. And focusing on the rightmost, this has been used to foster renewable, also because there is a clear way to define how third parties can enter in terms of project governance, and also a clear regulation around wheeling, and so this
activated the possibility to use this scheme to foster renewable. And how this is impacting, and where we can use this example to see what are the quick wins and the remedies that we can see useful for Tunisia. And so, looking at openness, first of all, what we already anticipated on project governance, which where it is clear that to work, very clear and transparent rule of who and how can participate in terms of shares in a new company, in terms of governance on the SPV, etc. It is crucial, and in fact, in the countries, this is something that is happening in already elsewhere, and this is a crucial point. And as we said before, this is something on the table, as Mr. Chibouk said, and we are waiting for some new regulation, secondary regulation on this kind. In terms of market governance, what comes out that is important. Is to have a clearer role and responsibility across the market, and having first of all an independent regulator, which is one of the targets that also Mr. Chibouk said as a priority. And also we see that one of the maybe longer term feature is that a liberalized market typically is more successful to eliminate any barrier on the market governance. And then also a clear planning is essential for an investor to come in and understand what are the opportunities for a specific project, but also understand where they will be in 10, 15, 20 years, which is the lifetime of a renewable project. Looking at what we call attractiveness, so the returns on the on the project. So we see that where you have cost reflective tariffs and a clear and transparent definition of the willing tariff that you can have are essential to eliminate the barriers we found in Tunisia. And on the other side, also the value of energy is very important. The way the metering is done nowadays does not allow to understand what could be the value of the excess production. Also because it depends on the profile you have and the mismatch between the profile of your renewable project and the end user consumer. And this must be clarified in order to provide a clear and simple way to evaluate the potential return that one can have. And as a last one, as we said, permitting is important. So here, probably it's better to try to simplify the process, maybe differentiate by size and clarify, because this can definitely hinder and jeopardize renewable development if it stops at permitting procedure. And then we added just this is what we see above is more than potential upside rather than in the barrier elimination, because in other countries we found that setting up some transmission T&D and land use incentives can typically provide some acceleration also on this particular site. So just to quickly conclude on this and leave time to the add-on. So we see openness, as we said, first step, implement secondary regulation for the third party participation, which is missing, and on a longer term probably the idea of proceed in a liberalization process of the whole country, which is at the core of something that by international experience seems to be more successful in attract private investor.
then solve in terms of attractiveness, so predictability of the return of a project, and reduce also the risk and improve financing condition to ensure a cost reflectiveness on the tariffs and the value of energy, and solve the issue of the specific scheme regarding the metering and the valorization of surplus energy. And then, as a last point, review the permitting procedure in order to create a more clear, centralized, managed process, which can be maybe more tailor-made for different type of project, technology, or sizes. So I conclude here and give back the word to Adam, and thank you very much. Thank you, Ricardo, for this very, very interesting and important benchmark from a regional country about the development of renewable energy project. Also, the barriers that you present, there are the very common barrier for several countries, and the lessons learned how to overcome these barriers are very important and interesting for Tunisia and other countries. Please stay with us at the end of the webinar, because we are collecting several questions, and I want to start with questions to Mr. Chiboub. Mr. Chiboub, you are with us. Please put your phone on, your micro on, because I have some question. Okay. The first question, je voudrais la lire. En ce qui concerne les appels d'offres photovoltaïques et éoliens, est-ce qu'ils accepteront toujours de projets sur le terrain public ou non? Alors, c'est à vous d'aller de répondre. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on a lancé le régime des autorisations, c'est avec des projets, des terrains apportés par les promoteurs. Pour les appels d'offres éoliens, nous allons, les 600 MW dont j'ai parlé, c'est des projets avec des terrains apportés par les promoteurs. Ça ne nous empêche pas également de lancer un appel d'offres. Nous sommes en train de voir quels sont les sites qui appartiennent au domaine d'État et qui sont suffisamment attractifs pour lancer des appels d'offres sur ces sites-là. Donc, oui, on peut lancer des appels d'offres avec des sites appartenant au domaine des sites proposés par l'État et donc du coup appartenant au domaine de l'État. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je voudrais passer à la deuxième question, puisque ce sont des questions qui viennent pour la Tunisie quand même, puisque c'est le sujet de notre webinaire. Quel est le statut des coûts de transport applicables à l'autoproduction? Le tarif de transport de l'énergie électrique pour les autoproducteurs actuellement publié sur le site de la STEG, qui est 7 millimes par kilowattheure, est-il applicable ou en cours de révision? Alors, c'est un peu plus compliqué. Je vous explique. Pour le régime de l'autoproduction ou l'autoconsommation, nous avons deux sous-régimes. Il y a le premier régime où on ne réalise pas une société de projet, on réalise l'investissement sur l'actif de l'autoconsommateur ou de l'industriel lui-même, et auquel cas, aujourd'hui, ce qui est appliqué, c'est 7 millimes par kilowattheure. Maintenant, le nouveau régime, le régime de l'autoconsommation, le sous-régime avec la possibilité de création de sociétés de projet, on est en train de voir pour appliquer la vérité des prix. Vous savez que les 7 millimes, ça ne reflète pas la vérité des prix. On a dit que pour le transport haute tension, c'est 25 millimes. Je crois que ça a été mentionné sur le site web. Il y a eu une décision pour 25 millimes en haute tension. Mais ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, c'est au-delà des 25 millimes. C'est-à-dire qu'il y a un tarif qui sera pour le transport haute tension, un tarif pour le transport moyenne tension et un tarif pour le service. C'est-à-dire que si vous voulez faire du net metering, par exemple, et donc du stockage chez la STEG, il faut payer ce service-là. Si c'est, vous allez consommer une électricité reportée d'un autre fuseau, d'un autre poste horaire,
il faut payer ce service-là. Donc aujourd'hui, on est en train de faire une étude avec la Banque mondiale pour établir tous ces tarifs. OK. Merci beaucoup pour ces clarifications concernant le transport, mais aussi les participants, ils ont d'autres questions concernant quel est le statut de tarif d'achat de l'excédent de l'énergie électrique produit par les autoproducteurs et si les tarifs actuellement publiés sur le site de l'ASTEG sont-ils applicables ou en cours de révision? Aujourd'hui, c'est ça les tarifs, mais bien sûr, on est toujours en train de… ils seront révisés. Ceci étant, je voulais faire une remarque. Nous sommes en train de mettre en place des tarifs qui n'impactent pas demain le modèle économique. C'est-à-dire que nous n'allons pas mettre un tarif et dire demain, voilà, ce tarif-là, il risque de changer à tout moment et nous allons passer d'un tarif de, par exemple, de 7 millimes à 70 millimes. Ce n'est pas ça l'objet. On n'est pas en train d'induire les gens en erreur. On cherchera à mettre en place un tarif qui sera indexé sur les tarifs de vente d'électricité de l'ASTEG. S'il y a une augmentation sur les tarifs de vente d'électricité de l'ASTEG, ce tarif-là, il augmentera. S'il y a une baisse, ce tarif-là, il baissera. Mais en globalité, pour les industriels, c'est-à-dire pour les autoconsommateurs, ils seront préservés dans la mesure où ils font leur modèle par rapport à la facture évitée de l'ASTEG et donc ils retrouveront toujours leur compte. Voilà, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions pour M. Chiboub. Oui, ça se comprend puisque c'est la séance. Alors, voilà, donc bon, il y en a beaucoup, mais je veux anticiper par Pierre, vous pouvez répondre, c'est-à-dire d'une façon assez simple, assez courte. Quand pensez-vous que l'offre de l'énergie éolienne de 2 par 75 mégawatts sera lancée? Février-mars 2021. OK. Il y a une autre question. Combien de projets solaires de 10 MW qui ont été accordés par le premier et le second round ont été mis en service jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il y a un projet qui a été finalisé et qui va être mis en service, mais les autres, il y a deux projets qui attendent la lettre de confort. Il y a deux autres projets qui sont très actifs au niveau financement. Vous savez, le régime des autorisations, une fois on met en place ce financement, ce mécanisme de financement, ça sera d'une manière dynamique et systémique la réalisation de ces projets-là. D'accord. Merci beaucoup. Encore une question, donc je veux donc la réduire. C'est-à-dire, c'est une question qui concerne le stockage. Ils disent que le stockage actuellement, vraiment, il est trop cher. Mais le mieux, c'est d'aller vers l'interconnexion. Et là, on en parle du projet ELMED, qui traîne depuis plus de 15 ans. Et son rôle pour la Tunisie, quel est son rôle actuellement pour la Tunisie, sachant qu'actuellement en Europe, il y a la production qui est excédente. Comment la Tunisie se positionne pour un marché maghrébin de l'électricité? Alors, je ne vous cache pas, aujourd'hui, le flux d'énergie, c'est du nord vers le sud. L'Europe, elle est excédentaire. Indépendamment de ça, nous, le projet, c'est un projet qui a été inscrit dans la quatrième liste des projets d'intérêt commun de la Commission européenne. Donc, économiquement, et la viabilité financière et économique du projet, elle est liée principalement à aux dons, aux subventions pour la réalisation de ce projet. On est en train de préparer une candidature pour avoir des dons du Connecting Europe Facility, la facilité européenne pour avoir des dons et pour pouvoir avoir la viabilité économique de cette interconnexion. Merci beaucoup pour vos réponses très claires. Nous remercions par l'occasion la Banque mondiale qui a mis en place un crédit et l'agence italienne pour la coopération et le développement qui nous ont accordé un montant de 12 millions de dollars pour réaliser les études préalables, notamment l'étude des fonds marins.
D'accord. Il y a une question, mais vous avez déjà parlé de cela, mais simplement je voudrais aussi la lister. Comme quoi le code des énergies renouvelables n'est pas encore élaboré, comment sont gérés actuellement les raccordements et les intégrations des renouvelables énergies, l'électricité de renouvelables énergies dans le système? Bon, les raccordements des énergies renouvelables, c'est en cours aujourd'hui, c'est fait, c'est des demandes. Vous déposez. Il y a toute une procédure qui est sur le site web de l'ASTEC. Vous déposez une demande, vous réalisez, il réalise l'étude préliminaire de raccordement. Ensuite, si vous avez le régime de l'autoproduction, il est raccordé, vous payez le raccordement, vous êtes raccordé. Si c'est le régime de l'autorisation, il y a une étude détaillée qui est réalisée par la suite. Et c'est une fois réalisée l'étude détaillée, vous payez votre raccordement. Et vous avez le raccordement. Ça dépend. C'est libre à vous. Ou bien vous voulez réaliser le raccordement par vos propres moyens, ou bien vous réalisez ça par la SEC pour votre compte. Eh bien, merci beaucoup. J'arrête les questions pour M. Chibou. Merci beaucoup pour votre patience de rester avec nous. Je me retire. Je tiens à vous remercier tous pour ce webinaire. Je remercie RS for Africa et vous me permettez de me retirer. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Now I the question is for Mr. Ricardo. We don't have a lot of time, but we can ask two questions. The first one, what is the quick win for Tunisia coming from the provided recommendations that you presented in your presentation? Yes. Yeah, can you hear me and see me? I hope. Sorry if I realized that before I didn't switch off the camera, I did something wrong. So a quick win, yes, the first move is probably what already Mr. Chibou said. So to look into the complete the regulation around the self-consumption regulation. So the complete with the secondary regulation, the decree of 2020. And clarify the participation of third parties, which maybe also which shares on the SPVs, and also clarifies on the potential scheme and tariffs that you can have. And I understand from the last answer from Mr. Chibou that this is under discussion also to define, we are thinking about how to define a wheeling tariff, which is indexed to stack tariff. So this is already a way, for example, to provide visibility and clarity to the investor. Okay. Thank you very much. And now I propose the last question for Mr. Ricardo. Given the lesson learned from the benchmark country, which will be the road to follow for Tunisia to reach its full potential for decentralized renewable energy sources? Well, we see that in terms of, as a longer term, a longer plan, we see for in this example, international example, and also for other international example, that a liberalized market is more effective in attracting private sector because it provides more clarity, more predictability, more stability. And for example, one of the nice examples we saw is Chile that had not a very successful dedicated scheme for self-consumption, but in any case a lot of renewable happened because the general framework of the market design and governance is liberalized and clear and more attractive from a private investor perspective. Thank you very much, Ricardo. Now I propose to close this question and answer session, and we go to the closing remark. Then by the end, I want to thank all the attendees and all the presenters for their excellent presentations. Thanks for Roberto and Ilaria for their support and valuable help at all the step of preparation of this webinar. And also, I want to thank Fabio for the management of the IT sources. The floor is yours, for yours, Ilaria. Thank you, Adel, for your excellent job as moderator. I am very pleased that the topic has brought out a lot of questions from the audience.
I'd like to thank all the panelists for selecting such rich topic to be discussed. You will find all the presentation and the video of this webinar on our REST for Africa website in the next day. Thank everybody, and I hope to see you soon. Bye.